Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 septembre 2021, puis on a un marché totalement merdique ce matin. Un marché qui a planté de plusieurs centaines de points hier, qui était en hausse de 200 points ce matin. Le Dow est encore en hausse de 200 points, mais le Nasdaq revient à zéro. Puis c'est juste les gros blue chips qui sont en hausse. Tout le reste, là, ça rebondit ce matin. Puis c'est tout en train de revirer de bord, là. Tout. Ah, c'est fou, raide, là. Je viens de passer la dernière demi-heure à checker là, tout ce qui se passe. J'ai deux stocks qui bougent sur le marché pour l'instant. J'ai PALT, qui là, il est dans un point de saturation. Il a bien fait ce matin. Puis il y a CEI qui vient de faire encore un autre cycle de 3,65-3,95. Là, on est sur un top. C'est un plafonnement. On va revenir à 3,70 à peu près là, dans les prochaines minutes. Mais peut-être qu'après-midi, un peu plus tard, on aura encore quelque chose qui se passe là-dessus. Bon. Oups. Oh! OK. Un petit moment. Il faut que je réponde à ça, ce sera pas long. Ça, c'est un mauvais timing, mais je fais une petite courte pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Thank you.
OK, bon retour. OK, dans les nouvelles, c'est plein de cochonneries encore un matin, là. Biden se penche sur son plan de 3,5... je pense qu'il y a une erreur, Jocelyn, là-dessus. C'est pas 3,5 billions, c'est 3,5 trillions, là. Mais anyway, bon, c'est toute la frime, cette affaire-là, cette histoire-là, encore à propos de l'augmentation du plafond de la dette, là. Parce que, premièrement, bon, le plafond de la dette, là, c'est complètement ridicule, là. Tout le monde bitch à cause de tout ça, et tout le monde parle de catastrophe. Hey, voyons donc, là, regarde. Penses-tu que le gouvernement, il va mettre tous les employés dehors, puis que là, toute l'assurance chômage, puis toutes ces affaires-là, il n'y a plus rien. Non, il y a les employés du gouvernement. Ils ont déjà mis les employés du gouvernement dehors pendant une couple de semaines. Puis après ça, ça revient, là. Fait qu'il y a une panique un peu pour là-dessus, là, mais c'est juste temporaire. N'empêche qu'on a quand même un marché en correction, puis on a plusieurs secteurs sur le bord d'une tendance baissière, donc d'un marché baissier, OK? Regardez Nasdaq, là, ce matin, là, OK? Le rebond, là, c'est un gros coup d'épée dans l'eau, là. Regarde, on a décollé en haut ce matin, on est revenu à zéro, puis on est encore sur le point de l'inversement de la tendance, là, drette là, là. Du côté du Dow Jones, ça rebondit un petit peu plus fort, mais rien d'extraordinaire. Puis le SPY non plus, on est sur une zone de support importante aussi. On a un rebond, puis c'est pas très solide. Puis regardez le volume d'aujourd'hui, là, ça rendra jamais à son volume moyen avant la fin de la journée. Fait que c'est vraiment, vraiment tough dans le moment, là. Attention sur l'ouverture des positions, s'il vous plaît, c'est pas simple, OK? Bon, on va aller du côté des nouvelles. La première nouvelle, c'est Lucid, là. Foutaise totale à propos de Lucid, là. Complètement ridicule, cette nouvelle-là sur Lucid, qui dit qu'ils ont commencé la production des premiers véhicules électriques, puis la livraison devrait commencer en fin du mois d'octobre. Hey, regarde, tout le monde savait ça, excepté vous autres, ben, puis moi. C'est ça la finale raison pour laquelle ça a monté ici. Là. Fait que ça a eu des fuites. Là. Il y a du monde qui savait ça. Ils se sont tous remplis les poches avant d'annoncer la nouvelle. Puis là, ils annoncent la nouvelle aujourd'hui. Puis regarde, ça n'a rien fait pantoute. Le stock est encore collé en dessous de sa résistance. Puis ça a fait décoller tous les stocks de véhicules électriques à matin en plus. Puis fait que c'est ça que je gueulais là-dessus à matin en disant, ouais, non, arrêtez là, c'est tout éphémère, là, regarde. Tesla a monté, puis regarde, il est revenu à zéro. Lucid, LI était en hausse, il est rendu négatif, puis il tombe comme une roche. XPEV était en hausse, puis il est rendu à zéro. Lucid, il tombe comme les autres. Ride est en pleine chute. Solo est en pleine chute. Nicolas est en pleine chute. NIO est en pleine chute. Fisker est en pleine chute. Fait que c'était complètement merdique et foireux, cette nouvelle-là, à matin. United Airlines a déclaré qu'ils vont sacrer 595 employés dehors s'ils ne se font pas vacciner. Bon, OK, on va aller dans Airlines. C'est la même maudite affaire dans tous les secteurs. Vous allez voir, là, regarde, j'ai fait le tour juste avant. Là. Regarde, les Airlines, là, ils ont parti en baisse ce matin. Ça a remonté, puis là, c'est en chute libre présentement, là. Donc, les Canadiennes puis les Américaines, regarde, JetBlue est en chute, American Airlines est en train de briser son support actuellement, toute la gang, là, c'est pas compliqué, ils sont toutes en baisse, là. Fait que, regarde, ça rebondit après la nouvelle de ce matin, mais ça valait rien pantoute. AUVI, une autre nouvelle, UAL, c'était ça la nouvelle des 593 employés. AUVI annonce une acquisition. Puis regarde, ce stock-là fait que des faux signaux depuis toute l'année. Il a donné une tonne de faux signaux. Puis encore ce matin, c'est un faux signal. Il a ouvert en hausse, puis il est tombé en baisse. Puis il annonce une fusion. Non, c'est que l'acquisition de KES Science Technology pour 4,3 millions. C'est des peanuts, là. Geovax a annoncé l'achat de droits exclusifs pour le développement et la
commercialisation d'un produit. Bon, ça, c'est Geovax qui a ouvert en hausse. Puis là, avec, ça a été un faux signal. C'est rien que des faux signaux qu'on a eus sur ce stock-là, là aussi, toute l'année. Fait qu'on oublie ça. Je dis que c'est pauvre dans les nouvelles. Forteresse, il a annoncé la réception d'un avis d'exercice d'option d'AstraZeneca. Bon, il a ouvert en hausse. Puis ça s'est dégonflé, là, avec. Puis Ucana aussi, il a ouvert en hausse, puis il ne fait que redescendre depuis ce temps-là. Ils ont eu une désignation Fast Track pour un médicament sur le cancer des voies biliaires. Ça doit être en rapport avec la bile, la biliscule biliaire. Je ne sais pas c'est quoi les voies biliaires. Je ne suis pas médecin, moi, mais. Mais pour l'instant, ça aussi, gros coup d'épée dans l'eau. Des nouvelles stupides, totalement dérisoires, des nouvelles pas importantes. Fait que là, les marchés s'en reviennent encore là, sur leur bas. Il reste 150 points sur le Dow Jones, puis il va en rester moins que ça, pardon, à la fin de l'émission. Ça fait que, regarde, puis tous les secteurs, c'est pareil. OK, regarde, les véhicules électriques, regarde ça, là, c'est tout en train de planter. Les infectieuses, un matin, il était en hausse. Regarde, Moderna, il est rendu en baisse. Pfizer, il ne fait rien. Il y a juste Merck qui monte. Toutes les autres sont en train de replanter. Donc, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Je ne sais même pas pourquoi Merck, lui, continue à monter quand les autres ne montent pas. Mais il a monté d'une pièce et demie sur 73 piastres. Et puis, les véhicules électriques, vous avez vu, ça plantait. Regarde les composantes électriques, oui. Regarde. Nyon, 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 nyon. C'est vous dire, regarde, c'est mon nouveau. Yong, ça veut dire, c'est en chinois, ça veut dire ça descend. Yong, yong. Ying, ça monte, puis yong, ça descend. Bon. les airlines, regarde, sont toutes en train de replanter. Les recreational sont toutes en train de replanter. Toute la gang, regarde ça, là. Regarde, c'est de la chute partout. Le pote, ça aussi, ça plante, on est sur le bas. Regarde, Tilray vient de faire des nouveaux bas. Weed est encore sur un nouveau bas. Regarde le cannabis, là, HMMJ est sur son bas. Puis, regarde, nouveau bas pour C-Web. Canopy, il s'en retourne de son support de 17,30. ACB, la parution du CEO à CNBC hier, ça a poussé du monde à acheter ses nouvelles. Puis là, ben regarde, ça redescend, pareil comme les autres. Tilray est à côté sur son support. Regarde, c'est négatif partout dans les stocks de cannabis. Les blockchains, ça a tout avorté, ça aussi, ce matin. Regarde, les bébites, ils ont été en hausse à l'ouverture, mais après ça, ça a redescendu. Regarde, ça tombe comme des roches partout. Même à chuter aussi, il descend. Les énergies renouvelables, ils ont été en hausse ce matin, sont toutes en chute, excepté INE. Toutes les autres sont en train de se péter la marboulette. Je vous dis, là, regarde, là, faites attention à ces achats-là. Bon, midi, Michel, que penses-tu de NLC? Est-ce le moment un bon achat à 4,60? Secteur du lithium, un secteur bon à acheter? Non. OK. Il n'y en a pas de secteur bon à acheter, là. Les pétrolières sont en fin de cycle. Les gazéifères sont en fin de cycle. Puis l'or, puis l'argent, puis la COP, ça va nulle part présentement. Regarde, faites attention. Retenez. Prenez-vous une couple de petites traderettes, là, puis retenez votre envie d'acheter, là. On a l'impression qu'on va repartir encore en correction sur le marché, là. Pour l'instant, là, c'est ce que je crois qui va arriver. J'allais voir NLC. NLC. NLC, c'est où, ça, au Canada? NLC. Ah, on est au lithium. Oui, dans le lithium. Mais regarde, la réponse est claire. Là. Vous voyez mon graphique, là? Regarde, mes lignes sont déjà tracées. NLC, néolithium. Le secteur du lithium, il ne fait rien. Regarde, le lithium, là, c'est ça. Là. Regarde, ça, c'est l'indice là, du lithium. Regardez tous les indices du lithium. Regardez Lac of America, qui est sur le bord de décrocher de son support.
Critical Element, Phase Neutre, Lithium Chili en correction, Néolithium est complètement neutre, Alpha Lithium neutre, neutre pour Pure Lithium, Millennium Lithium en correction. Fait qu'il n'y a pas un seul stock qui semble favorable du côté du lithium. Puis c'est pareil dans le graphite. Oui, regarde, NOU, qui est sur une base, là, après beaucoup de descentes, là, de 27$ à 7$, puis là, bien, il redécolle toujours pas, là, OK? Fait que c'est pas les compagnies qui sont en péril, c'est le secteur, c'est le marché, OK? Parce que, regarde, ils n'ont pas de chip, il n'y a plus de chip nulle part, mais imagine-toi, Lucid, eux autres, ah, voyons donc, on va partir de la production, on va donner des chars électriques, OK? Ils en ont-tu empilé, ils ont-tu fait une montagne de chips dans les dernières années? Ils ne vont pas faire mieux que les autres. Il n'y a pas de cycle haussier, nulle part. Excepté des cycles qui sont déjà finis. OK, c'est ça qu'on va commencer par aller faire. Regarde, l'USO, là, il est sur son haut de l'année, OK? Puis il est revenu à 50 % à peu près de ce qu'il y avait, de ce qui était avant la COVID. Ouais, mais excepté que les pétrolières, eux autres, sont venus au prix d'avant COVID. Ça fait que c'est ça l'arnaque, ici, là. Les pétrolières montent, le pétrole ne monte même pas. Ça fait que le gouvernement laisse les pétrolières faire ce qu'ils veulent là-dedans. Tout simple que ça. Ça fait qu'ils montent le prix, puis les actions montent de valeur, mais il n'y a même pas de raison pour laquelle ça devrait se faire. On comprend pour le gaz, parce qu'il y a un nouveau marché sur le gaz. Il y a des gros besoins de gaz en Europe, puis la Russie ne veut pas ouvrir la valve pour en domper plus en Europe parce que les autres, ils ne veulent pas en manquer. Puis d'un autre côté, il y a une demande de gaz liquéfié qui ça fait des mois que j'en parle depuis que le gaz a inversé sa tendance, mais là, on est sur un top de secteur, OK? Fait que c'est pas le temps d'acheter, pas plus TOU. TOU, c'était un de nos tops dans les titres. Puis regarde, acheter du TOU à ce niveau-là, sur un top de même, dans un cycle à 70 degrés, sur un top de marché, très mauvaise idée d'acheter du TOU présentement. C'est la place pour prendre des profits. Est-ce que le marché peut poursuivre une diminution d'assouplissement quantitatif ou au tapering prévu? Ben, c'est ce que Jerome Powell a indiqué. Et hey, puis, il y a la sénateur Warren aux États-Unis là, qui a lancé des nouvelles ce matin que Jerome Powell, c'est un dangereux. Elle dit ça sur CNBC le matin. Elle dit, Jerome Powell, c'est un dangereux. Ben, du moins, je vais voter contre sa renomination, sa réélection. LIF décroche en bas de son support important de 36$. Bon, ça, on va aller voir l'acier. Bon, bien, l'acier est acier, là, tu sais. on laisse tomber le H. L'acier est acier. Puis oui, regarde, tu vois, là, c'est complètement négatif, là, du côté de l'acier. On est rendu en tendance baissière, puis on est dans un petit cycle baissier. Donc, Stelco, il y a un gros signal de vente juste en dessous, ici, à 37$. LIF, il est en chute libre depuis hier. Il y avait un retour à sa tendance baissière pas plus loin qu'hier. Fait qu'il est encore en chute, puis encore de la place à chuter. Pour LIF. Ça fait qu'il est vraiment décroché en dessous de son support, son support de 37$. SBSW est-il un achat? SBSW, non, pas du tout. Aux États-Unis, ça? Oui, SBSW est-il un achat à court terme? THEME. Peut-être une petite erreur de clavier là-dedans, là. Non, pas en tout. Regarde, il s'en va sur son support de 11$, puis rien d'autre à faire. À part qu'il est sur un creux, puis il pourra avoir un rebond. Oui, mais là, c'est d'essayer de jouer à la hausse les rebonds dans une tendance baissière. C'est pas trop évident.
Est-ce possible d'améliorer le visionnement de vos graphiques? Impossible de lire le symbole sur la ligne du haut. Bien là, qu'est-ce que vous avez comme ordinateur? Je l'ai dit, de toute façon, les symboles, puis je l'ai... Mais là, regarde, il y a des limites. Là. Non, là, je ne peux pas faire ça. À court terme, je ne peux pas faire ça. Il faudrait que je vérifie. Peut-être que je pourrais l'agrandir un peu. Attends un peu. On va dire ça. Propriété. Ça n'a pas l'air. Je vais vérifier ça avec mes techniciens. À l'ICD, on disait, comme disait un grand sage, acheter sur la rumeur, vendre sur la nouvelle. Ben oui, c'est ça, exactement. Là. C'est ceux qui achetaient sa nouvelle le matin, ils se faisaient avoir. Hey, tu parles bien chinois, lâche pas. Ying, ying, yang, yang. Est-ce que tu tues un gars à 8,75? Ah, si on décroche du sport, possiblement, t'es un peu, là, on va aller voir ça. Bon, bon, OK, ça c'est Nasdaq, puis ça c'est TQQQ, qui est pareil comme QQQ, puis ça c'est SQQQ. En principe, oui. Moi, vous dites quoi, 8,75? Ah, non, pas 8,75. Ouais. C'est dur à dire, là. Son graphique est tellement. Attends, pour le mettre de même. Ouais. 8,70, 8,75. Ouais. SMH, achat sur rebond de tendance. SMH. Aux États-Unis? Non. Il est en décrochage, là. Non, oubliez ça. Rebond. Ce ne sera pas un rebond de tendance, premièrement. Ce sera un rebond de cycle. Parce que, regarde, la tendance, elle est là. Le support est là. Ça fait que des rebonds, tant qu'on n'aura pas fini le cycle, il n'y a pas de rebond à imaginer là. Puis, il n'est pas même payant. En plus, 10$ sur 270$, je te dis que c'est pas grand-chose. Les sociétés minières, Agnico Eagle et Kirkland ont indiqué mardi avoir convenu de fusionner. Oui, on a vu ça, c'était hier. La nouvelle société conservera le nom d'Agnico Eagle. Oui, mais regarde, ça ne change rien en vie. Là. Regarde, l'or est en baisse. Puis les orifères sont en baisse. Puis Agnico Eagle et Kirkland sont là, là. OK, le rebond des deux, là, je ne vois pas ce que ça va changer dans l'histoire. Là. Regarde, bon, deux compagnies dans le même secteur, ça ne changera pas rien dans l'affaire. C'est juste un rebond de nouvelles, ça. Non, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. C'est merdique au bout, là. Regarde, c'est joué, encore une fois, à la hausse des tendances à la baisse. Il n'y a pas tant que ça de potentiel là-dessus. Moi, je me tiendrai loin de ça pour l'instant. Ce qui est décourageant, Michel, c'est qu'on ne peut même pas jouer les FNB baissés sans trouver d'action qui monte. Ben oui, c'est ça, il n'y a rien qui bouge. On est rendu sur le support, là. La correction est terminée, là. Regarde, on avait encore du potentiel. Regarde, Nasdaq, là, on est là. Fait que là, la game, là, les FNB baissés sur Nasdaq, là, c'est lorsque il va décrocher. Pour ce qui est du dollar, il restait encore 500 points de baisse possible. Ça fait pas quand même beaucoup d'argent sur les FNB du dollar. Puis le spot, il est rendu là. Fait que là, c'est le prochain mouvement à la baisse là, qu'on attend. Là, il va y avoir des moyens d'ouvrir les FNB baissés si on décroche de là. OK? Puis il est minuit moins quart. Là. On est sur le bord d'eux, mais c'est pas fait. Tu vois, le petit rebond du spot, c'est pas grand-chose aujourd'hui, mais on n'est pas décroché. Donc, sur le Nasdaq, sur le SPY, puis sur Toronto, on n'est pas décroché. Là, on est entre les deux. Que penses-tu de l'uranium? Il n'est pas redécollé, l'uranium. L'uranium, regarde, aujourd'hui, URA, là, regarde, mon point d'entrée, là, je l'ai mis avec des indicateurs qui ne se passent pas tout seul. Là. Vois-tu, regarde, moi, j'avais indiqué le point d'entrée comme étant là. Mais là, regarde, on est plutôt sur un point de sortie, là. OK, donc pour ce qui est de Cameco, il est sur le bord d'un signal baissier.
Puis regarde, le Cameco à Toronto, même encore plus. Regarde, au lieu d'avoir décollé ici, il est en train de percer là. Fait que c'est pas prudent d'embarquer là-dedans. U.UN, là, qui est le Sprott, là, qui avait été plus performant que les autres pendant la hausse, là, aujourd'hui, là, il a l'air fou pas mal. Là, OK? Il me fait penser à Maggie quand elle a les oreilles tout croches. Tu sais, regarde, on est sur le bord d'un autre décrochage pour U. Puis URE, regarde, est sur le bord de décrocher. Moi, c'était la petite boîte de formation neutre qu'on attendait de voir décoller en haut, là, mais c'est jamais arrivé. Regarde, là, ils sont plus négatifs que positifs, là, les titres d'uranium dans le moment. Stay away from it. C'est pas le temps d'embarquer dans l'uranium là. OK? Ça fait que le dollar continue, bien tranquillou, il reste là, il bouge pas. Puis pour l'instant, le SPY, il reste plus grand-chose, puis il a décroché. Ça fait qu'on a rebondi d'un pour cent les marchés, mais d'un demi-pour-cent, mais c'est tout ce qu'il y a là. Il n'y a pas rien pantoute. Même que Nasdaq, on n'est pas bien loin de repasser négatif, on est sur le bord presque. Ça fait longtemps que je veux acheter LSPD, il semble en grand rabais. Et non, Robert, attention, les rabais, là, c'est dangereux, ça, là, les rabais. Là. Les rabais, ça peut être des meilleurs rabais. Là. Donc, non, prenez votre temps, votre mal en patience. Regarde, hier, il est en décrochage. Il a inversé sa tendance à court terme. Il est même venu traverser sa tendance de l'année. Puis là, on s'en va vers le support. Fait que là, attendez-vous à avoir LSPD à 114$, là. OK? Donc, c'est un rabais, mais regarde, c'est comme si tu achètes quelque chose en rabais qui est passé date, OK? Non, mais pour l'instant, non, c'est la débandade, là. Il a perdu 30$ en 5 jours, là. Fait que non, c'est pas le temps. Bonjour. Si je rentre à découvert aujourd'hui sur TOU, dividende payable le 29 septembre, est-ce que je vais payer le dividende? Regarde, moi, je ne suis pas fiscaliste. Là, c'est une colle. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Là, c'est une colle que vous me posez là. Ce n'est pas ma job de répondre à ça, Serge. Si quelqu'un veut vous répondre, tant mieux. Là, mais moi, je ne sais pas quoi vous répondre, puis j'aime pas ça parler à travers mon chapeau. Parce qu'il y a le ex-dividende, puis il y a le dividende payable, là, c'est deux choses différentes, puis je suis pas au courant de leur foutu dividende. Je me dis, désolé, Serge, je peux pas vous répondre là-dessus, parce que je réponds pas à des choses que dont je connais pas vraiment la réponse. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex, la nouvelle façon de créer le rendez-vous.
On est revenu, j'étais en train de regarder les questions parce qu'il y a des commentaires sur le ex-dividende. On va y revenir. HEO, HA, à quel prix? Au Canada, HEO. Pas facile. C'est difficile de répondre à ça encore une fois. C'est une grosse, grosse formation neutre. Quelle direction il va prendre? C'est dur à dire. T'sais, il est en tendance baissière, il est sur le bas d'un couloir. Il pourrait remonter de 7-8 cents, peut-être. Mais techniquement parlant, puis c'est en swing trading que vous parlez en plus. Regarde, il faudrait qu'il se stabilise bien comme il faut ici, puis qu'il décolle bien clairement à 2,90. Puis là, il y aurait une plan, puis là, il y aurait un potentiel jusqu'à 3,5 piastres. Mais avant ça, regarde, il ne fait pas de volume, tu sais, dans le moment. Hier, il a tombé sur un volume un peu en augmentation, là. OK? Bien, un peu, beaucoup en augmentation. Puis aujourd'hui, il rebondit sur un petit volume à 51 000 actions. Tu sais, c'est très, très peu. Il m'apparaît tout simplement comme un titre pas vraiment intéressant pour l'instant. Bon, j'ai les 3 jours ouvrables pour le dividende, date du 28 septembre. OK. Mais ça ne répond pas à la question. Si tu achètes le titre de jour de l'ex-dividende, tu n'auras pas le droit au dividende versé. Ça, c'est vrai aussi. Mais la question, c'était, si la personne a shorté le stock, est-ce qu'elle va être obligée de payer le dividende au lieu de recevoir? Parce que quand tu achètes avant le dividende, tu vas avoir le dividende. Mais si tu shortes, vas-tu devoir le payer? Ça, je ne sais pas si tu shortes aujourd'hui, si tu dois payer le dividende. Ça, je n'ai pas la réponse sur ça. Un autre exemple de faux signal ce matin, TechB n'arrête pas de descendre. Ouais, mais ça, je l'ai dit un matin, là, qu'il n'y avait rien là, qui justifiait l'achat là-dedans, ni dans First Quantum, puis ni dans Tech, parce qu'il était, ce qu'il avait, il avait l'air, mais il y avait juste l'air, il n'y avait pas la chanson, OK? Ça fait que, puis là, il est redescendu. C'est sûr que tu as bien raison, Stéphane, c'était un faux signal. Puis c'est ça que ça sent. Ça sentait les toasts brûlés. ça sentait le roussi, comme ils disent. Bon, le pétrole, ses inventaires, il est parti en baisse. Après ça, il est remonté. Après ça, il est redescendu. Après ça, il est remonté. Il n'y a même pas de raison pour que le pétrole soit en hausse. Moi, je pense que je continue à dire que le gaz et le pétrole étaient sur un top. Puis c'est encore ma conviction. Regarde, l'or est rebondi ce matin. Puis les orifères sont en train de redescendre aussi. Non, c'est un marché super merdique, là. Bien désolé, moi, je suis le premier à vouloir vous montrer des affaires qui décollent puis qui bougent. Ah ouais, go! Des nouveaux cycles haussiers ici, puis là. Bien non, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Puis on parle pas de la danse, là. La polka. OK. PALT, c'était un de nos champions un matin. Il a fait quasiment 30% à 11h50. Attends un peu. Oui, 11h50 à midi. On n'était pas dessus, on ne l'a pas regardé. Puis CEU, mais là, il vient de terminer une fin de temps. Là, il va rester de côté quand même un bout de temps. C'est les deux seuls stocks qui bougent de ce temps-là. Un petit retour, c'est PALT. Oui, mais il est sur un top, là. Tu vois, regarde, PALT, si vous le mettez en 30 secondes, on va bien voir le dernier. Là, premièrement, ce matin, il a été arrêté une fois, deux fois. Mais là, regarde, on a eu une belle correction, tendance baissière, les gros volumes, le décollage. Le dernier décollage, c'était à 11h48 et 30 secondes environ. Donc, 11h48, 30 secondes à 10,70, puis il est monté à 13,5. Ça fait qu'il a été une belle pause de ce côté-là. Mais là, il est sur le top d'un couloir, il n'ira pas plus loin pour l'instant. Il va faire la même chose qu'il a fait là. Il va se recorriger, s'en aller de côté ou se corriger pendant un bout de temps. Probablement redescendre aux alentours d'11,60, 11,40, 11,50. Ça, c'est ce que je pense. Sinon, bien, un vrai décollage, mais après un bon bout de temps, parce que ça changerait le couloir. Là. Il ne peut pas décoller direct là. Les traders professionnels sont trop brillants pour aller s'embarquer dans des affaires de même. Ça arrive 9,5 fois sur 10, ça n'arrive pas, là.
Michel, 3 jours, si tu vends, si tu le vends 2 jours, tu payes. Si tu le vends 2 jours, tu payes le dividende. Donc, autrement dit, c'est pas le temps de shorter ça. C'est ce que je croyais, mais que je n'étais pas sûr. Puis, je ne suis pas encore très sûr, mais regarde, c'est pas le temps de shorter un stock là, quand il est dans son temps de dividende. Là. Ça nous prendrait quelqu'un pour venir nous résumer ça à un moment donné, là, parce que moi, je ne suis pas fiscaliste. Là. Quel serait le bon point d'entrée de Mogo? Mogo. OK, je check mes affaires toujours en passant. Là. Mogo. Wow, c'est pas tout de suite, là, hein? Parce que regarde, ça va pas trop bien sur Mogo. Puis encore de la place à rejoindre sa ligne de tendance en bas, il est encore en correction. Puis faites attention parce que regarde, il en a donné un paquet de faux signaux. Il était des histoires, là, regarde, il faut que la tendance s'inverse, puis il faut que la résistance s'inverte. Il n'y aurait pas de point d'entrée dans le moment avant 6 piastres. Puis ici, il n'y aurait pas eu de point d'entrée avant 8 piastres. Puis ici, il n'y aurait pas eu de point d'entrée avant 8 piastres et demi. Puis ici, tu sais, c'est tout la même chose. Pardon, on est dans une tendance baissière. Fait qu'il n'y a pas de point d'entrée sur ça. Tu sais, moi, je le dis souvent, mais je le fais pas le marché. Moi, je le suis, puis j'essaie de trouver toutes les opportunités. On est plusieurs à travailler là-dessus, mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Regarde, tout est à la baisse. Tous les secteurs spécialisés sont aussi à la baisse. Le secteur énergie est en plafonnement. Je ne crois pas que ça va aller plus loin, là, à court terme. Le gaz est en correction. On l'avait prédit, la correction, depuis 2 jours au moins. Puis les stocks d'énergie, regarde, sont au haut de l'année, mais tant que ça ne décollera pas solide là-dedans, stay away from it. Je la comprends pas pourquoi le pétrole monte, mais il ne devrait pas monter. C'est vraiment bizarre, là. Ça a l'air d'être vraiment manipulé. L'or est en baisse, les titres orifères sont en baisse, même s'ils sont rendus sur un support extraordinaire. Mais ça ne rebondit pas. Les mines non plus, ça ne rebondit pas. Il n'y a pas de secteur haussier. L'argent est en décrochage aujourd'hui. La consommation discrétionnaire, ça ne fiche rien. La consommation de base, oups, tiens, elle a rebondi aujourd'hui. Bon, mais il n'y a toujours pas de signal. On a sauvé le décrochage sur le couche-tard. Oups, on sauve aussi le décrochage sur Empire. On est à côté sur le support pour Food. MTY, c'est pareil. Puis là, il y a un métro qui se pointe la tête de canard au-dessus de l'eau. C'est comme un huard qui vient de sortir de l'eau après avoir attrapé un poisson. Un petit volume de rien. Oups, là, il y a une petite affaire là. Fait que, regarde, achetez pas du métro à 60 et 73 si vous n'êtes pas prêt de le vendre à 59 s'il décroche. C'est ça mon point. Puis là, ben, je ne sais pas pourquoi l'aube là, métro et tout ça ont rebondi aujourd'hui, je ne sais pas. On est dans un rebond, puis encore plus fort sur George Weston. C'était pas de même un matin, là. C'est arrivé plus tard. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Tiens, on va regarder ça. Bon, food, tu vois, il n'y a rien à faire là. MTY, c'est pas le rebond n'est pas assez solide. Métro, regarde, il est au haut de 1, 2, combien de jours auparavant qui était là. La petite hausse qu'on a est ici, là. OK, c'est trop peu, trop tôt. L'aube, là, c'est pareil. Il est monté à sa résistance. C'est un beau gros rebond, mais ça prend un nouveau haut là-dessus, sinon on ne sera pas haussier. Les télécoms, c'est un rebond qui ne veut rien dire. Les services financiers, c'est un rebond qui ne veut rien dire. Les industriels, c'est un rebond qui ne veut rien dire. Non, on est dans un petit rebond après quelques jours de baisse sur les marchés. Puis c'est total, c'est un attrape-nigo d'entrer dans les marchés là, à ce moment ici. Le cannabis, ça va vraiment pas bien. Regardez comment ça tombe encore tout ça, là. Aurora, l'histoire d'hier, ça l'a avorté. Regarde, Weed s'en va vers son support. Attends, je vais aller voir ici. Là. Tiens, on va essayer de regarder. Le HMMJ est complètement à côté de son support.
Si Webb a traversé son support, oui, il est rendu à côté de son support. ACB, il va s'en aller à son support pareil comme les autres. Tillery est à côté de son support. Kronos aussi. On reste en dehors de ça. Regardez le rebond sur le support des bitcoins le matin, là, ça va nulle part, ça non plus. C'est plus négatif que positif. Les énergies renouvelables, on arrive au support, mais ça n'a pas cessé de chuter. Fait que, regarde, on va attendre au moins que ça arrête de chuter avant de faire quoi que ce soit, là. Regarde, on a encore un petit peu de place encore à la baisse. Le seul qui avait monté, c'était INE. C'est LNE, il a fait un jump il y a deux jours. Regarde, il est revenu à zéro. Donc, c'est pas trop stable. Boralex a fait un rebond après une chute spectaculaire. Puis là, il a fini son rebond. Fait qu'on n'a pas de cycle haussier. INE, il a rebondi aujourd'hui encore un peu, mais regarde, il est bloqué à cette résistance-là, puis je l'attends à la baisse encore. Regarde, parce que l'ensemble des autres titres sont tous à la baisse, là. Regarde Plug, puis Ballard, là. Regarde Ballard vient de traverser un support important. Puis Plug, il a traversé aussi un support important. Il s'en va sur son prochain support de 24$. Fait que, regarde, le marché, il est merdique, je vous dis, là, faites attention. Exo, Yong, ouais, c'est ça, Yong, Ying puis Yong. Yong, nouveau bas 233, un puits, pas de fond. Ben oui, Exo, Exo. Exo, là, il va arriver de quoi avec ça, là? Je sais pas c'est quoi, là. OK, ils font des ventes à SQDC, là, mais à part de ça, là, je te dis, là. J'ai pesé sur les mauvais boutons. C'est là. Bon. Ça fait que je ne vois pas où est-ce qu'on peut voir du positif là-dedans. OK? Regarde, le stock, là, en février, il valait 14$. Puis là, il vaut 2,35$. Puis c'est quoi la direction que vous trouvez qu'elle a l'action? Par en bas. Pas d'autre chose. Ça, là, ça va consolider bien vite. Vous allez voir ça. Ils vont consolider ça 1/10. Là, ça va revenir à 20$ ou 1/5. Ça va revenir à 10$ pour avoir l'air de moins pire qu'il était. Regarde. Ça fait rien que descendre. La SQDC se pétait les bretelles en disant que les ventes ont augmenté durant la pandémie. Puis dans le fond, les états financiers de ACB, ils ont dit, c'était en baisse de 40%, mais ils ont dit, ouais, mais ça, c'est juste la portion consommation du public. Ben ouais, mais je trouve bien pas le médical qui roule tant que ça, là. À part une crème puis quelques petites boissons alcoolisées au cannabis qui peuvent pas vendre n'importe où dans les épiceries, qu'il faut qu'ils vendent dans des endroits spécialisés, il n'y a pas de marché pour ça. C'est qui a envie de s'acheter un crème soda au cannabis, là? C'est complètement ridicule, là, cette affaire-là. OK, les jujubes, puis tout ce que tu voudras. Le cannabis, là, depuis tout le temps, là, ça a été le monde qui fumait ça dans une pipe puis dans des joints. Là, les gâteaux, les jujubes, les crèmes, tout ça, c'est quoi le vrai marché pour ça, là, tu sais? Pour l'instant, ça fait pas les manchettes, là. Puis il y a personne qui trouve ça bien intéressant. Moi, je trouve ça super merdique. Bon, premièrement, le DAR s'en revient encore. Là, on vient de repartir en direction du support. Le SPY aussi. Donc, il nous reste maintenant 4 dixièmes sur Nasdaq, 2 dixièmes sur le SPY, 2 dixièmes à Toronto. Fait qu'il ne reste pas. Puis, au Nasdaq, on est passé négatif. Fait que, regarde, attention aux achats. Achetez pas n'importe quoi. Laissez passer la vague. On est sur le bord d'un décrochage. Si on change de bord, puis si on inverse, s'il y a des nouvelles positives qui se mettent à sortir, puis qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le marché, on va le voir. Mais moi, je regarde tous mes graphiques, là. Tout ce que je vois, c'est de la merde partout, là. Écoutez, regarde. N'importe quoi, vous allez trader, là. Vous avez 4 chances sur 5 de perdre de l'argent au lieu d'en faire. C'est pas compliqué, là. Puis là, on est rendu sur les supports sur le marché. On va peut-être décrocher. On va peut-être pouvoir faire de l'argent, mais là, ça ne l'est pas encore décroché. Puis là, on est mercredi. On va se passer jeudi, vendredi.
C'est un marché qui est en déroute. Regarde, on fait un nouveau bas, c'est les mines. Si Exo consolide, ça va être la deuxième fois en un an, je crois. Oui, bien, si je ne me trompe pas, c'est ça qui est arrivé. Oui, vous avez peut-être raison. Peut-être que ça en est, il y en avait une, là, ici, quelque part, là, une consolidation, peut-être, là. Mais en tout cas, depuis février, là, ça ne fait rien que descendre, là. Les compagnies de cannabis, là, ça va tout se restructurer. Et regarde, c'est Tilray, puis oui, qui ont acheté des compagnies cette année. Ben oui, ils ramassent les compagnies. Ben oui, mais ils ramassent juste des actifs. Ils ramassent juste des serres, ils ramassent juste des ci, puis ils ramassent juste des ça. Ils en jettent les compagnies du cannabis, là. Ils en mettent dans les poubelles. Ben probablement qu'ils les envoient à ceux qui... Ils doivent les envoyer à ceux qui vendent de l'illégal. mais regarde, il n'y a pas assez de marché. Ils n'ont pas réussi à enlever le marché d'illégal. Puis vous pouvez acheter du cannabis sur Internet sans passer par la SQDC. Puis c'est Post-Canada qui va vous la livrer à part de ça. Tu as des compagnies dans l'Ouest canadien. C'est livré par Post-Canada. Puis supposément que, tu sais, mais la SQDC, c'est SQ. C'est Q, OK? Donc, au Québec, là... puis en Ontario, mais le reste du Canada, il n'a comme pas embarqué là-dedans, à mon avis, c'est de la foutaise. Les magasins de cannabis qui mettent tout dans des petites boîtes en plastique, puis mettent tout sur des tablettes, puis qui vendent des petites quantités, c'est même pas du bon produit, c'est même pas de qualité, c'est sec, puis c'est même pas bon. Puis le monde, ils savent même pas quoi acheter. Je suis allé, moi, j'ai vu ça. Écoute, regarde, si tu connais pas ça, tu sais pas quoi dire. La personne, elle se présente à la porte, « OK, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi que tu veux? » Sais-tu, moi? Regarde, t'as à peu près 100 produits sur tes tablettes, c'est là. Et donc, c'est même pas des experts, puis ils veulent te parler 30 secondes. Non, non, ils l'ont pas l'affaire, pas en tout. Regarde, la SQDC, c'est bien loin d'être la SAQ, OK? T'es bien plus conseillé, t'es bien mieux conseillé à SAQ que tu peux l'être à SQDC, puis les produits à SAQ sont bien meilleurs de qualité que ce qu'il y a à SQDC. Ils ont juste voulu prendre le contrôle là-dessus, puis faire de l'argent avec ça, puis faire des taxes, mais regarde, c'est la SQDC, là, c'est pas l'Hydro-Québec. Là. Hein? Oui, OK, 4 pour 1, 1 pour 4 plutôt. OK, le 24 décembre 2020, 1 pour 4. Donc, il avait déjà consolidé 1 pour 4. Mais là, il va bien consolider encore, là, regarde. Donc, ça veut dire 1 pour 4, mettons, qui valait 12, il valait 3, il est monté à 1 pour 4, 4 fois 3, 12. Oui, ça va être probablement parti de 3 pièces à 4, à 12. Puis là, il est revenu encore au même prix. Ils vont aussi le remettre encore à 12. Oui, mais pendant ce temps-là, vous aviez 1000 actions, mais il vous en restait 250 après la consolidation. Puis là, vos 250, s'il consolide encore 1 pour 5, il va vous en rester 50. Tu sais? Fait que, regarde, les consolidations, ça ne rapporte pas d'argent, là. Au contraire, ça permet au stock de redescendre encore. HGD payé 9,5, vendu un tiers de ma position, 11,27. OK, 9,5. Bon, ça va être de l'allure. Ça devait être dans ce coin-ci, vers le 16 septembre. Vendu la moitié, un tiers de ma position hier à 11,27. OK. On est pas mal sur un top de couloir. On en vendrait un autre 25 %. Moi, je regarde monter le reste peut-être jusqu'à 13. Oupelaï. OK, on a beaucoup d'ambition ici. Moi, je vendrais un autre 25 % KO. Quand on admet qu'il y a un cartel incluant SMD et Poutine, c'est quoi SMD? Poutine, ça implique une manipulation en contrôlant l'offre et la demande. OK, c'est un petit peu décousu votre affaire, là. C'est dur à suivre, on ne sait pas de quoi vous parlez. Vous parlez du pétrole, peut-être, ça a l'air. Votre nom, c'est AND. André, peut-être. AND pour André. J'ai de la misère à déchiffrer votre question, André. AND. C'est pas tout à fait bien exprimé, votre affaire.
bon, toujours Nasdaq négatif. Le Dow, il est toujours un petit peu plus fort. Il reste 2 dixièmes sur le SPY puis 19 dixièmes. Fait que, regarde, on a un marché là où on se doit d'être prudent. On n'a pas le choix. Regarde, c'est dû au risque, là. On est sur un support ici, là. Donc, les fois où on est sur des gros supports de même, là, OK, ça peut revenir après, là, mais c'est quand même des bonnes chutes, ça, là. Fait qu'ici, on a quand même des très bonnes chances de se rendre à la ligne de tendance qu'il y a là. Fait que vous ne voulez pas vous faire pogner sur une baisse de 2-3 % sur le marché, ce qui peut se traduire dans des baisses beaucoup plus grosses dans certains secteurs. Oups, on a eu une pleure de banane ici, là. Sur PALT. Mine, or, tout ça, c'est tout en baisse. Les marchés aussi, regarde, Nasdaq, il replonge, pas Nasdaq, le SPY replonge encore. Donc, on s'en va pas loin de zéro. Regarde, son couloir baissier est là. Fait que, il y a des bonnes chances de se rendre jusque-là. Que penses-tu de la Caisse de dépôt qui se retire des énergies fossiles en 2022? Woke et finance ne vont pas ensemble. Woke. Je ne sais pas c'est quoi le mot woke. Et finance ne vont pas ensemble. C'est ce mot-là, là, ça porte à confusion. Bon, une sortie des énergies fossiles en 2022, c'est l'année prochaine. Donc, autrement dit, ils n'investiront plus dans le pétrole. Ils vont sûrement s'en aller très fort dans tout ce qui est électrique, quelque chose du genre. Ce serait intéressant s'ils s'en allaient dans les compagnies de diffusion. De diffusion interactive, genre, en connaissez-vous? J'en connais, moi. Que pensez-vous des actions EDU et TAL? Ah ouais, ça, c'est les compagnies chinoises qui avaient voulu transformer en but non lucratif, là. Puis les stocks avaient planté mal sale, EDU. Ouais, c'est ça, ici, là. C'est là que la Chine a dit une journée, « Ouais, mais nous autres, on va transformer ça en compagnie à but non lucratif. » Pow! Le stock est planté. On va mettre ça dans le livre 19, là. EDU puis TAL, ça va être la même chose. TAL. Ouais, c'est moins payé, mais c'est quand même. Lui aussi, c'était une grosse drop qu'il y a eu là. Puis là, ben, dans le moment, regarde, ça fait pas grand-chose. Là, ça redescend. C'est dur à dire qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Tu sais, quand la Chine décide d'agir ses compagnies chinoises, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Puis à court terme, TAL non plus. Edu puis TAL, ils font la même chose. Regarde, vois-tu, regarde, les deux graphiques sont comme identiques à très, très court terme. Ils descendent lentement et sûrement. Prochain support de ELD. ELD, Eldorado Gold. Bien, il vient de traverser. Il est où le prochain support? Bien, il va falloir fouiller loin. Attends un peu, je vais sortir ma pelle ronde, je vais aller creuser plus creux. Quelque part aux alentours de 7 pièces et demie, là. J'aurais tendance à dire 8 et demi, mais ça peut être 8 et demi, puis ça peut être 7 et demi, ça peut être 6 et demi. C'est un peu compliqué à cause de cette grosse correction-là, mais comme c'est un V-shape, moi je le verrais là, fait que je verrais le support à 8,75, 8 et demi. Ce serait là le support. Mais il va pas bien. Ah, il y a eu des bonnes passes à l'Eldorado en 2019. Là. C'était le canard boiteux de l'Eldorado. C'était le canard boiteux parce que je me souviens plus là, dans l'endroit où ils sont. Là, il y avait tout le temps des problèmes avec les gouvernements, puis les lois, puis ça, pas tant. Puis là, ben bon, finalement, il est parti de 5$ à 17$. Mais regarde, pour l'instant, il s'en va sur 5$. Fait que est assez foireuse, cette compagnie-là. Ça aurait été un bon temps de shorter ça, direct à matin. Mais je ne pense pas qu'Eldorado, il va faire des miracles. C'est peut-être c'est une des compagnies orifères les plus poches, à mon avis. Oups, là, ils ont fait un nouveau bas sur Nasdaq.
On vient de traverser le support. Ah, je t'ai pas. Ça n'a pas le bon bouton. Ouais, on vient de traverser le support. Puis le DAO continue encore à la baisse. Il reste juste 3 dixièmes. Puis il reste 1 dixième sur le SPY. Fait qu'on va tomber probablement négatif sur le SPY. Aussi, on s'en vient sur le Body High qui était à moins 600 points. NCNA résistance 3 piastres ou 3 piastres et 20? C'était-tu un de nos titres de matin? Y a-t-il des nouvelles là-dessus? Non. NCNA, oui, il est là. Bon. Donc, la résistance dans un graphique en une minute, c'est 3 piastres. 3 piastres, c'est plus que ça. Ouais, c'est 3 piastres, mais donc le décollage, c'est 3 et 5, avec un potentiel de 3,25. 20 cents sur 3 piastres. 30 cents, ce serait 10 %, donc 20 cents, ça va être comme 7 %. Fait qu'il y aurait un 7 % possible, mais ça n'arrivera pas, car il n'y a pas de volume, là. Faudrait vraiment qu'il traverse à 3,5 avec un volume d'un million dans un graphique en minute. Ça n'arrivera pas. Mon bombardier monte toujours, trouve pas le point de sortie, acheter une 75. Bon, ben il monte toujours. Il est à la même place qu'il était depuis 3 jours, là. Pas grande différence pour 2 cents de plus, là. Regarde. C'était son top d'hier, ça, de 2,12 piastres. Puis là, il est à 2,11 piastres. Puis là, les acheteurs sont à 2,10. Donc, il ne continuera pas. Vous avez payé 1,75. Le point de sortie serait 1,90. Zivo, prêt pour un égolage. OK, j'avais ça, moi, Zivo. C'était-tu hier, aujourd'hui? C'est hier. OK, on va checker ici. Bon, PILT, on va le garder là. T'sais, on va mettre Zivo. OK, ça, c'est encore un stock merdique, là. Là, il y aurait un point d'entrée, mais il n'y a tellement pas de volume aujourd'hui. 803 000 pour un stock qui fait de 40 à 50 millions. Un titre porc-épic qui fait toutes sortes de faux signaux. Regarde, il va falloir être prudent là, là-dessus, là, avec des petits volumes de même. Là. Et Seigneur. OK. Même si on voit un volume de 100 000, dites-vous que oui, mais regarde, c'est des volumes de 500 000 qui fait normalement là, dans 5 minutes, OK? Ça fait que, bon, il y a quand même une pièce qui est 20 %, mais il va falloir regarder ça à très court terme. Là, il est sur un top. Il est parti, puis là, sa tendance était là. Donc là, il y avait 5 pièces et 30 à faire. Là, à court terme, on est sur un sommet. Non, c'est ça que je vais faire. C'est du VO. Bon, comme je vous disais. Oui, c'est un sommet. Fait que tu vois, il est reparti à la baisse. Puis là, sa tendance est là. Fait que là, il va se corriger au moins jusqu'à 5 piastres, peut-être 4,95 dans le coin. Fait que, éventuellement, dans une prochaine reprise comme celle-ci, qui se passerait, qui arriverait comme ça, puis comme ça, qui repartirait là, là, aux alentours de 5 piastres. Ouais. Il n'est pas simple. Prochain support de shop est à 140 450. Shop.
Et en passant, tout ce qui est technologie, c'est en chute, là. Shopify, ouf! Oui, le prochain support, il est à, oui, à peu près ça, 1450, oui. Encore une ride d'affaires là-dedans, officiellement. OK, on fait une dernière petite pause, puis je vous reviens pour un autre 10 minutes après. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Roger dit « Bonjour Michel, peux-tu m'expliquer comment j'ai pu acheter des actions de Bombardier, BBD.B, BBD.A? » Bien, c'est parce que je ne la comprends pas, votre question. Comment j'ai pu acheter des actions? Bien, vous avez juste appuyé le piton sur les acheter. Mais pourquoi vous avez acheté du A puis du B? Ça, je ne sais pas. La question, c'est du « Pourquoi j'en ai acheté? » Je ne sais pas, là. Roger, je ne la comprends pas. Votre question. Comment? C'est facile. On met le timbal puis on l'achète. Fait que c'est sûrement pas ça que vous voulez demander. Puis vous parlez, je sais pas quel prix vous avez payé. Je vous avoue que je sais pas. Je connais pas le fond de votre question. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Bon, on va dire, regarde, pour ceux qui... C'est purement technique d'après moi, là. Les seuls vrais beaux signaux qu'il y a eu, c'était ici. Attends un peu, je vais enlever les lignes, là. Regarde, c'est simple, là. C'était là, puis c'était là. Il y a trois beaux signaux qu'il y a eu, c'est tout, techniquement. Là, c'est plus le temps, c'est sûr, d'acheter ça là, mais je comprends pas... Votre question, elle n'est pas assez bien définie, là. Et le marché, je te dis, qui est plate en tabarouette, regarde, c'est lancinant et pénible. On descend tranquillement. Là, on est en baisse de 14 centièmes sur le Nasdaq, en hausse de 35 centièmes sur le Dow, en hausse de 17 centièmes sur le SPY, puis en hausse de 19 centièmes sur le TSX. C'est à partir de la famille. Mais non, mais ça se transige, les A, là. Il n'y a pas de volume. Mais c'est les A, c'est des actions privilégiées. BBD.A. Regarde, ça se transige, là. Tu as le droit. Tu peux acheter ça, là. C'est pas vrai, là. C'est pas juste la famille Bombardier. C'est qu'eux autres, ils en ont probablement beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de volume. Mais il fait exactement pareil, car les deux graphiques sont pareils. BBD.A. Oups.
BBD.B. Regarde, c'est le même graphique, là. Mais il se transige des millions d'actions sur la B, puis pas beaucoup sur la A, parce que c'est des actions privilégiées, pas de droit de vote. Elle est moins populaire. Mais les deux font exactement la même chose. Mais ça se transige, là. C'est pas vrai que c'est réservé à la famille Bombardier. C'est juste que, comme c'est des privilégiés, on a probablement beaucoup. Non, j'ai rien. On n'a rien trouvé pour l'instant. J'ai demandé à Justin tantôt. Il a checké pour moi. Il monte depuis ce matin, puis on n'a rien trouvé, si je me souviens bien, sur PALT. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, là. Mais il drive. Puis là, regarde, il a fini sa dernière formation. Il ne s'est pas tout à fait rendu à sa tendance, mais il a fait une longue formation neutre avant de redécoller à 13,75. Il est allé jusqu'à 15,25, 15,15. Là, c'est l'heure de prendre un profit, pas de l'acheter. Puis s'il se rend à sa ligne de tendance, on en prend un deuxième, mais là, c'est plus le temps d'embarquer là-dedans. Réponse au sujet de BBD. Il a reçu comme dividende, comme moi, il les a reçus comme dividende. Ah! OK. Donc, vous ne les avez pas achetés. C'est que vous vous êtes ramassé avec des... Probablement, vous êtes ramassé avec des A ou des B, je ne sais pas. Donc, vous avez eu en dividende, au lieu d'avoir eu de l'argent, vous avez eu des actions. Ben oui, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas sortir de l'argent. Donc, ils donnent des actions au lieu de sortir de l'argent, ça coûte moins cher, ça dilue la compagnie. Mais de la même manière, mais ouais, c'est ce que je présume. Je pense, ça a l'air judicieux, votre commentaire. Ça devait être ça, la question. C'est du comment ça se fait que je me suis ramassé avec des A quand j'avais des B. Ben, je pense que c'est votre question qui était mal posée. Mais merci, NYNA, là. Je ne sais pas c'était quoi. C'est plus facile quand on s'appelle Robert, Michel, Claude, que juste trois lettres, parce que moi, il faut que je m'en souvienne. Puis quand je réponds à une question, elle s'efface après. Pfiouf! Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de me montrer une direction positive quelque part, là, ça va bien aller. Mais là, moi, j'en vois pas en tout. On revient, on fait une petite tournée. Les infectieuses, c'est encore pareil. Il y a Merck puis Dynavax qui reste en hausse. Toutes les autres sont encore en chute. Les auto-électriques, les fabricants d'auto-électriques, hey, regarde, ils font encore des nouveaux bas dans le moment. Regarde, à lever, il a tout perdu. Il est rendu même négatif. À NIO, mais le 36 et quart, il est revenu à 35. Ils sont tout en baisse encore, les véhicules électriques. Les composantes électriques, regarde, plug, il a tiré à plug celui de matin. Il valait 27$ hier, puis là, il en vaut 25,5$. Regarde, c'est tout en baisse, les composantes électriques, les airlines. Là, on est Dow Jones US Airlines sur le bord de décrocher pour s'en aller sur le bas de ce matin. Puis c'est ça qu'on voit partout. Regarde, JetBlue, il est en chute, là. Les recreational, oh boy, regarde, les Carnival. C'est moi, mon Carnival, c'est presque carnivore. Il est un carnivore en train de manger ses bas. Hey, MGM est en chute. Caesars qui montait hier est en chute. Expedia, TripAdvisor, Wynn Resort, Norwegian, AMC. Tout est en descente. Le pote, toi, est encore pareil. Bien, regarde, le weed va faire un nouveau bas. Regarde, on vient de décrocher. Le weed vient de faire un nouveau bas. Tilray fait des nouveaux bas. Un, deux, trois nouveaux bas un matin. Ils sont tous en déroute, les stocks de cannabis. Les bébites aussi ont fait des nouveaux bas pendant l'émission. Les énergies renouvelables sont toutes orientées vers le bas. Oh! On a eu une chandelle de F-Tech ici. Regarde, il aurait fallu que vous ayez les yeux rivés dessus pour le trouver. C'est impossible d'accrocher ça. On le voit une fois qu'il est fait. Puis là, après ça, on peut juste checker s'il va en avoir un deuxième. Il a fait une 83,28. Puis là, pour l'instant, il est en correction. À suivre pour plus tard. Et je te dis que c'est les cas d'exception sont au compte-gouttes, là. Vraiment.
je ne sais pas si vous avez analysé SBSW, pouvez-vous me le répéter? OK, j'accepte tes excuses. SBSW, on va le savoir. Saint-Bernard Software, je ne sais pas si je l'ai analysé, je ne m'en souviens pas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai analysé un paquet d'appareils comme lui, puis il s'en va à 11$, puis il n'y a rien à faire avec ça. Puis tu ne veux même pas acheter un rebond dans une tendance baissière qui va peut-être faire une pièce, mais si tu ne le vends pas, aussitôt qu'il rebondit un peu, puis on n'est même pas certain qu'il a fini de descendre encore, de toute façon. Regarde, il est encore... il a rebondi. On va le mettre en 30 minutes, ça va être bien plus éloquent. Regarde, hypato, OK? Il reste encore de la place, à mon avis, dans le cycle baissier. Puis, mais encore là, tu vois, Camille, je ne sais pas si vous avez analysé SBW, mais vous pouvez me répéter, moi, mais Camille, tu ne me dis pas si c'est parce que tu veux l'acheter ou c'est parce que tu en as, puis quel prix tu as payé, puis que quand tu les as achetés, s'il vous plaît, force-toi un peu, là. Bon, OK, on a une petite pause. Une petite pause. Bon. Mais pas d'inversement encore. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. C'est l'émission publique. Vous avez tout accès à ça. Je vais vous revenir vers 14h. Puis on va espérer que le marché aura quelque chose de va nous livrer des choses plus intéressantes. Ça fait que bon dîner, bon début d'après-midi. Je vous retrouve vers 14h.